Radio Pep Gimone. La radio qui résonne. À tous nos auditeurs, nous avons l'honneur de recevoir Rémi Bourca, fils d'agriculteur à Saint-Denis-d'Astara. Bonjour Rémi. Bonjour Adrien. Rémi est ravi de répondre à quelques questions à propos de la journée du nouvel arrivant. Cette journée s'est déroulée le samedi 4 avril à la ferme de Jean-Louis Bourca, par un temps ensoleillé. Elle permettait aux nouveaux arrivants de découvrir le métier d'agriculteur. L'agriculture, c'est pour les durs. On a des enfants, depuis longtemps on n'avait pas eu autant d'enfants. Plan d'aménagement de cette forêt, 52 hectares avec les services de l'ONF. Donc c'est pour nous un patrimoine qu'il faut faire vivre. Et on procède à des plantations, on procède à pas mal de choses. Il y aura des aménagements qui seront faits dans la forêt. Donc c'est à nous tous, et à nous de le faire vivre correctement. Il y a des sentiers de randonnée qui sont très utilisés, qui traversent notre territoire, en particulier le sentier des orchidées. C'est un sentier qui est très, très utilisé, très, très couru. En bois. Il y a des gens qui se sont installés, qui sont là depuis 10 ans, depuis 20 ans. Il y a des résidences secondaires, il y a des étrangers qui ont acheté, des Anglais, des Allemands. Donc, il y a le marché de l'immobilier qui est assez actif. Avant de venir dans le Gers, j'étais informaticien à Lille, à mon compte. Messieurs, bonjour. Gilles Van der Straten, bonjour. C'est très agréable quand on arrive. Quelque part qu'on prend un risque financier, professionnel, de quitter sa région. C'est très agréable de savoir que des gens vont faire attention à vous, qu'il y a des choses de prévues, qu'on ne débarque pas à la campagne, comme ça, parce qu'acheter une maison c'est facile, mais après s'intégrer, faire un tissu de relations, des contacts, eh, c'est pas aussi simple, ça c'est pas une idée.